Bonjour à tous, me voici dans une petite très courte vidéo juste pour vous expliquer pourquoi j'étais absente ces derniers temps de YouTube d'un peu partout en fait. C'était juste parce que j'ai eu un bébé et que en même temps j'ai mon appareil photo qui m'a complètement lâchée. J'avais mon téléphone portable qui est cassé, qui est saturé de photos, donc je ne peux plus ni enregistrer de vidéos ni faire de... Enfin bref... J'ai eu plusieurs galères au niveau électronique et un bonheur au niveau de la vie du quotidien. Du coup, j'ai été un peu prise et occupée à plein d'autres choses. Voilà pour les excuses. Sinon, je vais revenir un peu plus régulièrement du coup parce que là, j'étais absente depuis 2-3 mois, je ne sais plus. Et puis, je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour moi ces derniers mois, c'est-à-dire la fin de ma grossesse, les différences au niveau d'avoir un bébé et deux bébés. Je vous montrerai aussi peut-être la nursery, comment on passe d'un à deux enfants, mes astuces et comment on arrive à vivre ça au quotidien. Je pense que je vous parlerai aussi d'un sujet qui m'est cher parce que c'est quelque chose auquel je galère depuis plusieurs années. C'est au niveau du poids, de ce que j'ai pris au niveau de ma grossesse, ma première et ma deuxième. Et puis je vous expliquer comment je gère ça et comment je vais gérer ça futurement parce que ça y est, je me suis prise en main. Et puis voilà, et puis après on retourne sur des hauls, beaucoup de hauls parce que j'aime partager ça en fait. Voilà, chez moi, mon conjoint... se moque un peu de ce que j'achète ou pas et du coup je n'ai pas d'avis, je n'ai pas de copine à qui parler et à qui montrer ce que j'achète et du coup je vous ai vous. Et puis voilà, donc les hauls et beaucoup de DIY aussi, et peut-être pas vous montrer exactement comment je réalise la chose, mais plutôt vous montrer les outils que j'ai utilisés et puis vous laisser libre cours à votre imagination, vous montrer mes résultats et ce que j'ai fait pour chez moi, pour mon enfant, pour des petites, de la déco, de la mode, etc. au niveau des DIY. Et ensuite, je vais peut-être intégrer aussi une petite catégorie, ce sera les astuces. Les astuces que, comme je vous disais, les astuces quand on a un enfant, les astuces quand on veut bien manger, les astuces quand on veut entretenir son chez-soi au quotidien sans y perdre toute sa journée, etc., etc. Les astuces quand on reçoit du monde, les astuces comment épater quelqu'un avec un apéritif, etc. Enfin, des astuces déco, des astuces... voilà, les petits trucs et astuces qu'on peut récupérer, moi, souvent sur Pinterest, et puis des bouches à oreilles, etc., etc. Et puis, voilà, je pense que je vais vous laisser déjà sur ces informations-là. Je trouve que c'est déjà pas mal. C'était juste pour vous expliquer comme quoi j'allais revenir. Je vais essayer de poster la vidéo aujourd'hui, c'est-à-dire le 1er septembre, si mon ordinateur veut bien. Donc oui, au niveau des galères techniques, il y a de tout. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et à très vite en tout cas.